Salut, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment débloquer ton Samsung Galaxy S10e ou bien comment le restaurer ou bien comment effectuer son hard reset manuellement. Voilà, ici, j'ai un Samsung qui est bloqué, il y a le schéma. Je vais te montrer comment toi-même tu peux le réinitialiser ou bien le débloquer. Voilà, dès à présent, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et n'oublie pas de liker. Ok, pour ce faire, on va d'abord éteindre le téléphone. Donc, presse le bouton. Voir comme ceci. Donc on passe sur éteindre comme ceci. Vous voyez, on demande de mettre le schéma toujours. Ok, vous voyez, touche d'allumage, touche volume plus volume moins. On presse les deux touches volume plus volume moins et le bouton. Voir, on combine les deux comme ceci. On va presser même pour 30 secondes jusqu'à ce que le téléphone soit éteint. On presse volume plus volume moins. Ok, dès que c'est fait, vous pouvez lâcher. Regardez, le téléphone est éteint, n'est-ce pas? Ok. Oh, le téléphone s'est allumé. On va forcer son arrêt. Attendez, on force l'arrêt jusqu'à ce que ça s'éteigne de nouveau. Ok, dès que c'est éteint, la touche baisse bien, volume plus et touche d'allumage. Donc vous appuyez la touche baisse bien, volume plus et touche d'allumage. On patiente jusqu'à ce que ça démarre. Voilà, c'est déjà dans le recovery mode. Donc c'est ça, plus ça, et ça. Ça, ça, et ça. Donc ça, et ça. C'est ça que j'ai pressé comme ça. Jusqu'à ce que c'est déjà là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je descends, je choisis Web Data. Factory Reset comme ceci. Je choisis Factory Data Reset. Je patiente. Ok, c'est bon. Maintenant, je choisis Reboot System. Là, toujours. Ok. Voilà. Le téléphone, lui, il va redémarrer. Et vous allez voir que ça a été restauré. Voilà. Là, on voit le téléphone est déjà débloqué. Vous voyez? C'est ok. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc jusqu'à présent, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et portez-vous bien. Merci.